Voilà, alors attendez, je vais vous lire un petit peu ce que j'avais écrit juste pour que vous soyez vraiment. Vous avez une idée de ce à quoi je m'attends. Donc c'est vraiment ce que j'étais en train d'écrire et tout. Hein. Bon, il y a énormément de textes, donc je vais juste vous lire deux trucs. Voilà. Donc ça, c'est en règle générale ce qu'une banliste doit faire. Imposer une rotation, gérer les decks qui posent problème. Ok? Ensuite, pour moi, cette banliste-là, c'était différent. On n'a aucun recul là-dessus. Il y a présence de trop grand nombre de decks dans le format, ça pose problème pour deux raisons. Trop de decks présents, une win condition trop forte, c'est-à-dire qu'ils mettent trop facilement une situation avantageuse et que cette situation est quasiment une auto-win. Le surnombre de decks présentant cet aspect rend le jeu injouable compétitivement parlant, puisque tu ne peux pas construire un deck répondant à toutes les stratégies possibles. Tu vas forcément te retrouver avec de très bons match-up ou de très mauvais match-up. Si tu tentes d'être d'être dans l'entre-deux, tu vas jouer des cartes trop faibles dans l'optique qu'elles soient assez génériques et tu vas te retrouver à perdre puisque l'adversaire a lui des cartes trop fortes dans son deck. Cette banliste a donc pour but de réduire le nombre de decks dans le format ainsi que de diminuer la force des win conditions. C'est absolument primordial qu'elle fixe ce problème car je ne me retrouve pas dans ce qu'est le jeu actuellement et je n'ai pas prononcé cette phrase depuis longtemps, mais actuellement je trouve le jeu impraticable compétitivement. C'est ça, actuellement je suis dans cette optique-là et j'espère vraiment que ça va répondre aux attentes. Je vais sur le site de la banliste et je vous l'affiche. S'il touche des staples, s'il touche à l'accès à Winda, c'est du plus, c'est incroyable. Et après, il faut des surprises. Il faut réduire le nombre de decks drastiquement. Il faut toucher les win conditions. Mais là, c'est plus possible de rester dans la situation dans laquelle on est. Oh, il est là! Il est là! Il est là! Ok, les gars. Ok. Pour l'instant, on n'a rien. Pour l'instant, on n'a rien. À compter du 1er juillet 2021. Prochaine mise à jour, octobre 2021. Ils sont obligés de faire un truc. En tout cas, Max est toujours ban. Je me rendrai jamais compte s'il y a des trucs qui ont disparu de là ou pas. Ils sont obligés de faire quelque chose. Ils sont obligés. Je vais pas attendre jusqu'à octobre. Vous avez vu, c'est limité. Faut pas que ça, hein. Il faut pas que ça, hein. Il faut plus, il faut plus. Sphere. Epi ban. Y a que ça comme lien de ban. Qu'est-ce qui a échappé? Donc que Epi alors pour Dragon Link? C'est pas possible. Ils ont forcément limité des trucs. Ils ont dû limiter Quick Launch et tout. Ils font nimp. Non, il faut plus de cartes bannies là! Arrêtez! Il y a zéro monstre banni! Dridon ban! Yes! Plus de Zodiac, merci! Mais non! Attendez, c'est pour le YCS? C'est pour le YCS? Oh les tarbas! Oh les tarbas! Limité. Divernosaur. Joker qui est revenu. Divernosaur limité. Il y a Neige qui m'appelle, tout le monde m'appelle. Divernosaur. Limité. Maintenant. Donc ils ont vraiment envie de fumer le format en fait. Ils ont vraiment eu envie de fumer le format en fait. Parce que là, Divernosaur à 1, ça change tout, hein.
Fisk est revenu à 2, il va revenir à 3. Et ouais, symbole d'héritage, c'est une carte qui fait Monster Reborn. What? C'est la meilleure ban qu'il pouvait faire, c'est la meilleure ban. C'est la meilleure ban, j'ai envie de chialer, wesh. LP ban, Dridan ban, Divernosaur, et le retour de Joker, il va être content, Triff. Dragon attaquant, Stallion, mais j'y crois pas, ils ont remis Stallion. Mais what the fuck, non, mais les gars, c'est incroyable. C'est la meilleure ban. Ah, il manque Dritron. Il manque Dritron, mais Dritron, ils viennent de le sortir, ils peuvent pas, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Pas fan de la ban. Bon, alors c'est quoi votre avis? Moi, là, ils pouvaient pas faire mieux, parce que j'y croyais pas à Dritron. Possible d'avoir un petit recap de la banlist, ouais. LP, banni, Striker Dragon limité, Dridan banni, Divernosaur limité, lui, Joker, c'est un monstre pendulaire, il vient à 1, Stallion déban, Engage déban. Voilà.